Très bien. Content d'être là. Ouais. Donc là, on va commencer par le freestyle group. Il y a 6 groupes au programme. D'abord, un groupe qui vient de Pessac, c'est un petit nouveau club. Donc des jeunes. C'est les seuls juniors de la compétition. Ok. On va découvrir ça ensemble. Ben ouais, je les connais pas. Montpellier Monocycle. Un club qui travaille depuis longtemps avec Lucie Carmen. Ouais. Alors, je les ai vus par contre tout à l'heure à l'entraînement, ouais. Et c'était top. Ok, et ben, j'espère qu'ils vont pouvoir reprendre tout à l'heure. Troubi, un club d'Alsace presque local, c'est un club qui est vers Strasbourg, un club de Brunat. Un effort sur le costume, ils ont un costume impeccable. Oh, ben on verra ça tout à l'heure, je pense que ça devrait suivre au niveau de la chorégraphie, ouais, et tout, ouais. Ça. Et puis ensuite, Monospies, c'est un groupe de trois qui est de Fougères, Espérance et chorégraphie. S'il vous plaît, merci pour la caméra. Voilà, merci. Donc il y a des gens qui passent, c'est en live. Et donc Espérance et chorégraphie, donc un club qui fait du freestyle depuis un bon moment. Parfait. On les a déjà vu en freestyle. Ouais, je crois, deux ou trois fois. Ouais. Et puis pour terminer, on aura un groupe qui s'appelle les Agents Secrets, qui nous vient donc de la bande à mono à Romans-sur-Isère. Ouais, le cirque des Baltons Cirque. Et ils sont toujours pleins d'humour. Ouais. Généralement, on se marre bien. Clairement. Et ils ont fait récemment aussi un stage avec Lucie, d'ailleurs. Ouais. J'avais donné un stage il y a longtemps chez eux. Ah et, ouais. Et puis bah, maintenant, je suis en Suisse, je réponds pas souvent au téléphone. mais c'est trop tu bien. Tu perds du boulot comme ça. Ouais, c'est pas grave. T'inquiète, c'est pas payé ici ce soir. Ok, donc ça va démarrer bientôt. Il y a beaucoup de monde et il y avait beaucoup d'ambiance juste avant qu'on prenne le live. Ah. Vous entendez peut-être derrière nous. Vous entendez peut-être derrière nous, donc Éléonore, la directrice de compétition, qui annonce la compétition. Ça y est. Et ça va donc démarrer en commençant donc par le club de Pessac à côté de Bordeaux, petit junior. Avec Héloïse Chassagne, Chloé Ilsincas, Maëlle Ilsincas, Johanna Puetz et Myriam Puetz. Donc un petit groupe de 5. Trop bien. Ça fait longtemps que tu fais du freestyle, toi? Ça fait longtemps, ouais. Ça, je sais plus combien de temps, mais un petit peu moins en ce moment. Mmh. J'ai des petits problèmes d'audio, je vieillis. Ah oui. Mais je continue tranquillement. D'accord. Et du coup, tu viens du cirque? Ouais, moi je viens vraiment du cirque. Et j'étais prof de cirque, je faisais des cours de mono, et c'est mes élèves qui ont voulu aller participer au championnat de France. Ouais. Moi je suis pas trop compète à l'origine, mais je dis bah trop bien, je vous accompagne. Puis là, j'ai découvert un peu des copains et puis d'autres l'univers, personnes qui font ouais. Du monde de cycle. Chouette, très chouette. Ce matin a eu lieu le 10 km lors de la Coupe de France de monocycle. On ne l'a pas retransmis en live. Hein. On transmet en live seulement certaines compétitions. Et donc, c'est Timo Hirschmann qui a gagné. Et pour les Français, c'est Simon Jean qui s'est imposé en illimité. Et puis du côté du standard, c'est les frères Kenyan. Donc Samuel Kenyan devant et Pierre Kenyan qui finit deuxième en standard. Les résultats sont publiés sur le site d'inscription de la Coupe de France de monocycle si vous avez envie de, si vous êtes curieux. Personnellement, j'ai fait 26-09. Voilà. C'est quand même important de le dire en live. C'est combien 26-09? Ça fait du 22,9 km/h. Ouais, mais c'est en classement? T'as ton classement ou... J'ai pas regardé le scratch. Ah, toute catégorie, dans ma catégorie, je suis 5e. Ok, bah c'est bien. J'en ai aucune idée en vrai. Sur 5. Non, je pense pas. Idée. Mais il faut au moins 6 personnes pour avoir une catégorie. Okay. On est au moins 6. Alors ça va. Et voilà les petits juniors qui se mettent en place. Pendant les numéros, on vous laissera profiter des numéros. Et puis, on se retrouvera après les numéros. Une belle prise d'espace. Hein. Oui, effectivement. On utilise tout le gymnase du côté des SPUC.
Et puis ça va bientôt partir. Donc on va respecter le freestyle et vous laisser profiter du numéro en musique. Et ben voilà, Stuck Monocycle, premier concurrent du Freestyle Group ici à la Coupe de France de Monocycle 2023. Les petits juniors pour ouvrir le bal. Très bien. Et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé, Lilian? C'est super, c'est bien pensé. Après, moi j'ai vu tout à l'heure les échauffements. Les échauffements un peu de différents groupes. Eux, je les avais vus du coin de l'œil. Je trouve que quasiment tous les groupes, vraiment, c'est bien pensé au niveau de la mise en espace, ce que je trouve chouette. Des fois, ça me choque un peu, mais quand c'est mal mis, et là, vraiment, je trouve qu'il y a un effort là-dessus. Il tourne autour, elle se met en spin au milieu, c'est vraiment chouette. On sent que le truc a été bien bossé, en fait. Bien bossé, c'est calé, on sent de la joie pour elle d'être là, et c'est vraiment chouette de les voir profiter comme ça, les petits juniors. Ça, ils sont pas grands. Non, c'est ça. Donc forcément, techniquement, des gens plus âgés vont envoyer plus. Ouais. Mais c'est tout à fait, honorable, présentable, honorable. Ils passent en premier, je pense que c'est super. Ça les met bien en valeur. C'est le seul junior. Hein. Et c'est bien que s'ils soient en premier. Je ne sais pas si c'est le tirage au sort. Non, c'est les juniors exprès. Ah, c'est volontaire. Mais c'est très bien. Très bien pour ça. Non, c'est super. Vraiment, j'ai vraiment apprécié ce côté, effectivement... où on a l'impression qu'elles étaient contentes de faire ça ensemble. Ouais, elles sont contentes, elles sont à l'aise. Mmh. Et, tout à fait. Toutes ces chorégraphies de bras, sans entrer, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, mais en tout cas,
c'est dynamique, c'est en même temps. C'est ça. C'était bien travaillé, c'était propre. Très chouette. Super. On entame bien cette compétition de freestyle group. Et le temps donc que les juges fassent leur jugement sur Junior, le deuxième groupe, ce sera donc Montpellier Monocycle avec Florian Méric, Mathieu Pérez-Jouve, Kinali Roca, Maïli Mikkel et Valentin Rose. Ouais, très curieux de les voir pendant la compétition, ouais. Puisque je les ai découverts tout à l'heure, mmh. Et que j'ai été très, très content de les découvrir puisque je ne les connaissais pas et ouais. C'est chouette. C'est un groupe, je pense, qui évolue depuis quand même quelques années ensemble, ouais. Et du coup qui prend du niveau peu à peu, à la fois techniquement et artistiquement. Ouais. Ça devrait être prometteur pour cette Coupe de France. Ouais. Et pour le coup, pareil, la mise en espace, je crois qu'ils ont une chorégraphe, hein, la mise en espace est très bien pensée. On va découvrir ça, ne nous spoile pas trop. On va voir. On va découvrir ça tout de suite après une page de pub. Colgate. Non, je déconne. Nous ne sommes pas sponsorisés. Tac. Je sais pas si on a des soucis techniques. Il y a des petits signes un peu étranges qui nous parviennent de la part de la caméra. Marine, qu'est-ce pas ça? Il n'y a pas d'image, mais il y a son son. D'accord. C'est le mieux. Très bien. Vous allez vous brancher? Non, mais c'est plus. Je pense que c'est mis en veille. D'accord. Super. Donc la caméra s'est mise en veille. Super. Mais vous avez eu le... Ok, bon bah super. Donc on a des petits soucis techniques d'image depuis le début qu'on s'est installé. Donc il est possible qu'à un moment ou un autre, on perde l'image. On espère que ça n'arrivera pas, évidemment. Il faut savoir que la caméra est branchée en sans fil pour vous donner un peu les coulisses. Et notre petit boîtier sans fil a un problème de connexion, un petit faux contact sur l'HDMI. Alors, on reste dans la technique. Et donc on a un câble au cas où on branchera peut-être la caméra en câblé. Auquel cas, elle sera moins mobile, mais au moins vous aurez l'image. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout. Donc on est en live sur le YouTube de la Commission Nationale Monocycle et seront streamés aussi pendant cette Coupe de France. Que je dise pas de bêtises, les finales de basket en tout cas. Il me semble street et flat aussi. Okay. Et on va streamer le trial pour la première fois en France. Trop bien. Juste la finale ou. Non, il n'y a pas de finale en CFM. Ah, pardon. Ouais. Non, on s'est posé cette question, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et donc c'est parti pour Montpellier Monocycle, j'espère que vous aurez l'image. Ouais, très bien. Marine. Changement de batterie discret. Hop. C'est reparti pour Montpellier Monocycle.
classe. Avec beaucoup de fêtes groupes, très sympa. Super, ouais, vraiment, plein de bonnes idées. Et puis la tenue, je trouve qu'il y a un effort de la part de chacun de bien se tenir, d'essayer d'aller au bout des figures. Ok. Effectivement, j'adore cet aspect chorégraphique. Je trouve que dans le projet technique, c'est quand même abouti. Hein. Ouais, il y a du niveau technique. Je sens qu'on est passé c'est sur un niveau dessus, forcément, ils ont pas le même âge. Oui. Si j'ai un petit élément à apporter, ouais. Moi, c'est ma fibre théâtrale, je ne suis pas forcément danseur, et je trouve que là, c'est très abouti en termes de chorégraphie, effectivement, et d'espace. Je trouve que là où il pourrait progresser, c'est en présence théâtrale un petit peu sur le visage, ouais, sur ce côté, bah, je suis en train de faire une production artistique, d'être là, et ce côté de présence théâtrale qu'on ne voit pas forcément chez eux, non. Sur lequel il pourrait y avoir un peu de travail pour apporter une petite touche en plus. On est sur quelque chose de... on est sur quelque chose de très plastique. Ça enchaîne les figures, c'est très bien mis en scène, mais il n'y a pas cette volonté théâtrale. Effectivement, et vous entendez derrière nous les troubadours qui commencent à chauffer leur équipe, puisque effectivement, les prochains, ce sont les troubés, le plus grand groupe que nous verrons ce soir, avec Amandine First, Léo Fischer-Kins, Lucie Schter, Alix Bérard, Camille Fogler, Tess Germain-Tructil, Émilie Daman, Héloïse. Ils se mettent en place, ça fait partie de leur scène. C'est vrai que c'est joli, ouais, c'est très joli. Je sais pas si c'est des manches noires peut-être. En tout cas, ils sont prêts. Les juges ne sont probablement pas prêts, donc il y a des chances qu'ils restent à genoux un moment. Le public pense que ça va commencer. Petite mésaventure pour les prévus, ou peut-être un petit. J'espère que ça va leur mettre un coup de stress, parce que ça n'a vraiment aucune importance au niveau de la compétition. Tout ça reste. Pour les deux, je peux te mettre en place pour les deux. Merci. C'est parti.
intense. Tu le tiens avec debout derrière nous. Je pense qu'il devrait être fier d'eux. Largement. Ouais. Mais vraiment, ce que j'aime beaucoup dans cette production, c'est que vraiment, on nous raconte une histoire. Là, pour le coup, ouais. Plus que le groupe d'avant, où on voit au moins un personnage qui sort du lot. Et puis, techniquement, on a des choses qui sortent un peu du lot aussi. Ouais, tout à fait. On a une arabesque, à un moment, ouais, en tracté. Et puis, on a le saut de main en monocycle, qui a été inventé par Joachim Choca, je pense. Effectivement, avec la fameuse prise. Je l'ai plus. Il a un nom précis, je ne savais pas qui c'est. Un japonais qui a inventé ça et ça porte son nom. En tout cas, ouais, très beau. Très beau. Je reviens sur tout à l'heure, il me fait peur, le groupe d'avant encore. Ouais. Ils m'ont fait peur quand ils ont fait l'échange de tracteurs là, sur le glide. Je me suis dit, mince, ils vont se rentrer dedans. Et non, c'est prévu, c'est très joli ça. Très beau, ouais. Très bonne idée. En tout cas, pour revenir sur les Trouvilles, une belle réussite, les costumes. C'est appréciable quand même, là aussi par rapport au groupe précédent, qui avait des costumes assez minimalistes, on est sur quelque chose, qui nous met tout de suite dedans, en fait, tout simplement, entre le maquillage et les costumes. Ça raconte vraiment une histoire et on est dedans, on est avec eux. Quoi. Ouais. Et puis ces costumes un peu comme des capes, un peu amples, comme ça, c'est très. Moi, ça me fait penser aux costumes des hommes japonais. Ouais. Et c'est vrai que ça casse un peu le corps esthétiquement, là, comme ça, ça crée des formes différentes, c'est très très ça beau. Casse le corps et ça casse un petit peu le monocycle, l'image qu'on a du monocycle. C'est ça. Et du coup, on a un peu cette impression de planant, en fait, où on voit pas comment les gens avancent et où on a l'impression que ça fait quelque chose effectivement très beau. Très sympa. Ah, très, effectivement, c'est inspiré du freestyle japonais. Je pense, au niveau de la... Avec cette difficulté, hein, toujours des costumes longs, puisque c'est des choses qui peuvent se prendre dans les pieds, dans les figures. Ouais. Donc c'est des choses qu'il faut apprendre à gérer, en fait, que les Japonais font très bien. Ouais, on les voit souvent, les petits remontées de jupe avant les debouts. Surtout les filles avec leurs jupes, c'est incroyable. Ouais. Puis là, vraiment très beau travail de Jérôme, je pense, qui a mis en... Ben écoute, je pense aussi, faudra lui demander, mais en tout cas, très beau travail de Jérôme, comme des autres. Ah ben ouais. Et puis donc... Le personnage principal qui a une belle présence scénique, même quand elle chute sur le porté, elle perd pas son personnage, elle reste en position et tout, et ça c'est vraiment très, très joli. Du coup on en oublie la chute parce qu'elle est complètement assumée. C'est ça. On sent la touche un peu circassienne aussi qui est une très grosse école de cirque. Clairement, la mise en... Le départ là, la mise en valeur la première figure là qui est comment on appelle ça là, quand la selle traîne par terre là. Un Draxit, j'en oublie mes mais c'est vrai que tout le monde qui s'écarte, c'est mis en musique. Ça, on peut le dire aussi, il y a deux moments forts qui sont mis en musique, ce moment-là, et puis la genre de vague, qui fonctionne en musique, l'idée est très belle. Et même au tout début, le tout début quand il se lève et tout, puissant. Ça marche très très bien avec la musique. Ça, je sais que ça fait partie des notations pour l'artistique. Bien sûr. Et je pense que ça... Ça sera apprécié des juges. Ça sera apprécié. Tout à fait. On va enchaîner avec un club de la Loire, puisqu'il s'agit de Uniwan de Montrond-les-Bains, ceux qui ont organisé la dernière Coupe de France en 2019. Donc Uniwan avec Juliette Perrichon, Clémentine Perret, Louise Lemaire, Anna Millet et Charlotte Martigna, donc de nouveau un groupe de 5. On retourne sur des un peu plus petits groupes. Ouais. Uniwan qui a moins d'historique en freestyle. Ouais, moi c'est pareil, j'ai découvert tout à l'heure, je crois que c'est eux qui ont ils font beaucoup avec des roues orange. C'est ce que j'ai remarqué et j'ai trouvé ça chouette aussi. Eh bien, on va découvrir ça. Ouais, ils ont bien des roues orange. Effectivement. Et on entend les encouragements du club Uniwan. Donc le club de Montrond-les-Bains qui prend place sur ce parquet du gymnase de Colmar, ici à la Coupe de France de monocycle 2023. C'est la mode de la capuche. Et c'est parti pour Uniwan.
le club de Moron-les-Bains. En fait, j'ai l'impression qu'on a cherché un petit peu le même genre d'ambiance que le groupe précédent. C'est ça. Encore dans un univers quoi, qui nous est présenté, qui est assez proche. Mmh. Ils sont moins nombreux, alors ça n'a pas la même envergure. Ouais, c'est sûr. Mais toujours, on rentre dans leur univers, c'est agréable. Tout à fait, ouais. L'univers qui est peut-être un petit peu moins assumé effectivement que le groupe précédent, mais le travail est là. Ouais. Et on cherche vraiment à le planter, à planter ce décor. Non, c'est assez chouette. Techniquement peut-être aussi un petit peu moins élevé, mais oui. Enfin, c'est un club qui ne fait pas du freestyle depuis si longtemps que ça. C'est chouette de les voir arriver sur la scène freestyle française avec ce numéro qui est somme toute une réussite. Ouais, bien mis en forme. Moi la fin me surprend, je la trouve chouette en musique. Ouais. Et avec ce tour où ils donnent la main qui est presque au ralenti. Et je pense que c'est volontaire. Avec le demi-tour simultané aussi de, ouais, de d'un quatre, coup là comme ça. Ça fait un bel effet, ouais, tout à fait. Le fait ça fait des beaux effets. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment... Ça fait des beaux effets. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment l'atout du freestyle groupe, cette capacité à faire des espèces d'effets de groupe depuis le bas, c'est pas forcément toujours idéal. Et pour vous dire la vérité, les gradins sont vraiment blindés, donc on a préféré faire comme ça. Mais c'est des effets de groupe qui peuvent être sympas, je pense notamment effectivement aux Japonais qui sont spécialistes de ces effets de groupe absolument magnifiques, mais pour le coup à 30. C'est ça, avec un niveau technique incroyable aussi. C'est ça. Mais ouais. Enfin, évidemment, on n'en est pas là dans le freestyle français à notre modeste niveau, mais c'est un freestyle qui progresse, avec assez peu de candidats cette année, mais de beaux groupes, ma foi. Ouais, les groupes, même qu'importe le niveau technique, c'est bien mis en scène. Carrément. Et ça, c'est vraiment on voit un bel atout. Plein de choses où les gens sont réessayent, remontent et tout. Ouais. Les gens assument leur chute, continuent leur chorégraphie, c'est très chouette de ce point de vue-là. Et très agréable à regarder, du coup, vraiment. Entièrement d'accord. On va enchaîner avec Monospice qui nous viennent, trois filles, Elisa Dubois, Bluen et Léa Diard. Ils nous viennent de Fougères, à côté de Rennes. Donc c'est Club Espérance et Chorégraphie, qui n'a plus de section monocycle à proprement parler, mais qui a toujours des pratiquants de freestyle, des pratiquantes de freestyle au sein de leur section cirque. Donc on va découvrir ça tout de suite avec ces trois demoiselles qui vont nous proposer le prochain groupe. Qui n'est pas d'espion, je crois. Celui d'après, c'est les agents secrets. C'est ça. Mais là, ça n'a pas l'air. C'est les Monospies, ouais. C'est très différent. Voyons. C'est pas la même chose, après, oui. Pour les non-anglophones, évidemment. Spies, l'espion, les espions aussi. C'est le groupe le plus petit de ce soir. Donc forcément, à trois, on n'arrive pas à créer les mêmes effets de groupe qu'on peut le faire à 7. Combien étaient les trouvés, par exemple 2, 4, 6, 8, 9. Ouais. On peut le faire à 9, c'est vraiment très différent. Là, ça va être quelque chose. Elles vont jouer sur un autre tableau en fait. On arrive éventuellement à 3, plus à avoir une homogénéité technique par exemple. Ouais, mais c'est sûr que c'est pas le même effet. D'ailleurs, en unicône, souvent il y a les grands groupes et les groupes qui tout sont à plus fait, petits. Ouais. Et là, il n'y a pas assez de participants pour pouvoir le faire. Exactement, ici on a trop peu de participants. Si on commence à diviser les catégories en grands groupes et petits groupes, ce sera dommage, mais effectivement, c'est vraiment quelque chose de différent. Je crois qu'en unicône, la limite, c'est 5, si je ne dis pas de bêtises, 5 c'est petits groupes et au-delà, c'est grands groupes. Et effectivement, on est sur des choses qui ne jouent pas sur les mêmes effets, sur les mêmes tableaux. C'est assez logique cette séparation artistiquement parlant. Ouais, c'est pas la même construction de numéros, on n'a pas les mêmes attentes. Les juges sont prêts, on va donc passer tout doucement à ces demoiselles d'Espérance et Chorégraphie, les Monospies, Elisa Dubois, Bleu-Néleu et Léa Diard. Je me pensais que j'ai plus le droit de dire les demoiselles. Ah, non, on a pas le droit de dire mademoiselle, mais peut-être qu'on a dit le droit de dire les demoiselles. Ouais, je sais pas. J'espère que je me plante pas, en tout cas c'est pas très grave. Bon, les voilà, ce sont les Monospies. Pas des agents secrets, hein, c'est sûr. Les Monospies à paillettes. Elles vont devoir gérer la robe, du coup. Eh oui, c'est vrai. On va voir ça.
c'est leur problème. Mais c'est agréable à regarder. Ouais, non, vraiment. Des bonnes idées à suivre. Et des choses qui ne sont pas évidentes, qui sont effectivement encore la touche école de cirque un petit peu, ouais. du groupe, où on sent qu'il y a des choses qui sont travaillées pour les spectacles de cirque également, et qui mettent dans leur freestyle, donc comme cet enchaînement de portée, qui est tout à fait spectaculaire et sympathique à voir. Ouais. Bah, le fait qu'il y ait aussi un peu d'acrobatie au sol, des rondades, des grands écarts, ça sonne un petit peu école de cirque. Oui, ouais, carrément, ouais. Avec le grand écart en portée aussi au début, c'est ouais. Impressionnant. Ouais, ouais. Et puis la surprise, on pensait voir la gestion de la robe. Exactement, et en fait, au bout de 10 secondes, pas de gestion de robe finalement. Puis, on l'enlève. Puis la corde a sauté, il nous rajoute, on l'avait pas vu venir. Effectivement, quelques petits éléments ajoutés dans ce freestyle. Et puis de la technique de mon dessus. Ouais, évidemment. Bon, en tout cas, on va arriver au dernier groupe. C'est également les agents secrets, ils s'appellent les agents secrets pour leur freestyle ce soir. Ils nous viennent de Romans-sur-Isère, un club relativement récent dans la dynamique de l'océan, mais très dynamique. Ils sont plus de 40 inscrits là, ouais. Plus de 40 inscrits, et encore ils n'ont pas inscrit tous les parents en même compétiteur. Les agents secrets, c'est 4 jeunes de la bande à mono. Tilio Mandoutet, Ombre Moignou Laurence, 3 pardon, je me suis avancé parce qu'il est sur deux lignes, excusez-moi. Et Zoé Brio Fein. Donc la bande à mono en freestyle, la bande à mono qui bosse en freestyle depuis déjà un moment, parce que tu disais que tu as fait un stage il y a quelques années. Ouais, je ne sais plus exactement, mais c'était avant Covid, donc il y a bien 3 bien ou 4 ans, peut-être 5-6 ans, je sais pas. D'accord. Ils commençaient et ils ont une super dynamique. Vraiment, ils sont motivés. On a reperdu l'image si je comprends bien. Mais en tout cas, tout va bien. Et je sais que dernièrement, donc il y a Lucie qui est venue les voir. Il y a aussi Eddie Ducol qui est venu en street. Ouais, ils font des stages de street avec Eddie. Ouais, c'est ça. Et c'est un groupe dynamique dans beaucoup de disciplines différentes. Bon. On les voit aussi sur les disciplines de route, sur les disciplines de tout terrain. Donc un groupe touche à tout. Oh, ils ont eu des médailles aussi en speed trial. Ah ouais, ouais. Ok. Non, c'est vraiment une belle dynamique de club à Romans-sur-Isère. Donc là, on va découvrir leur freestyle. Donc, ils ont dû probablement travailler en fait avec Lucie, j'imagine. Je pense que. Il y a un mois et demi. Ouais. Connaissant Lucie, je pense qu'elle a essayé de les coacher sur la. Bien sûr. Sur l'artistique. Sur ouais, carrément. Et sur la préparation de leur freestyle. Aussi. En tout cas, leur cri de guerre est là. Elles sont. Ils sont au taquet du côté de la bande à mono. Ça va pouvoir bientôt démarrer. Je sais pas où elles sont. Ah, ils sont là. Ouais. Ah, ils sont là. Alors, généralement, ils ont toujours beaucoup d'humour. À voir sur ce numéro, ils prennent le contre-pied ou pas. Mais on a cette habitude. Chat. Ouh. Allez, les monospaces, il y a des encouragements de la part de Hayden sur le chat. Merci pour le live, dit Marjo. Marjo, bon courage pour la fin. Utah Grip, merci pour Clarisse. Utah Hondo, peut-être, qui aurait inventé ce. Oui, c'est ça, ce grip, elle a raison. Le Utah Grip. La Utah Grip. La classe Troubi, bravo. Clarisse qui félicite les Troubi. En tout cas, merci de nous suivre en direct. Vous êtes une trentaine sur le live, une trentaine de millions, bien entendu, je voulais dire. une trentaine de millions sur le live. Merci à tous. Donc là, vous avez eu une belle vue sur mon crâne dégarni pendant que je lisais vos messages. Merci Marine. Elle attend la caméra après. Les monos sont prêts. Les monocyclistes sont prêts. On va donc vous laisser profiter des agents secrets. On sent que. Ah, le timing est peut-être pas le meilleur. Mais heureusement, il faisait la sécurité. C'est bon, le videur est là.
Les agents secrets, l'équipe de Devalton Cirque, la bande à mono à Romans-sur-Isère. Un petit peu à la manière du Secret Service américain. Les agents secrets. En tout cas, ils nous embarquent aussi dans leur délire, là. Ouais. On est bien avec eux tout le long. Je sais pas s'il y a eu leur musique, s'ils sont allés plus vite que prévu ou pas, parce que leur musique dure la un musique peu plus à la fin. Maintenant, hein. Ouais, je sais pas. C'est vrai que j'ai pas de, on n'a pas de montre, non, on vérifie pas le chrono, timing. Pardon. Mais c'est en vrai, ils sont bien dans leur monde et on y est bien avec eux. C'est ça. Pour le coup, là, on est vraiment sur le théâtre. Il y a du jeu de théâtre, il y a des regards publics, même à la sortie. Tout à fait. On est vraiment là-dedans. Et pendant les figures, les petits, je bouge mes lunettes, je vous surveille, etc. Et tu vois ce qu'ils font, qui sont vraiment sympas à voir. Et puis pour des jeunes, quand même assez jeunes, une jolie présence scénique, du coup. Très bien fait. Mmh. Et puis pas évident de venir changer le regard pendant la figure et tout ça. C'est trop bien de réussir à le faire. Ça se travaille. Ça se travaille, on sent qu'ils kiffent cet univers, ouais. Que ça les fait marrer. Et c'est très chouette de le voir avec eux là-dedans. C'était la fin des freestyle groupes, donc avec ce freestyle de la bande à mono. Et puis on vous retrouvera tout à l'heure, un petit peu plus tard, il va y avoir les podiums du 10 km en intermède. Et on vous retrouvera tout à l'heure donc, pour le freestyle individuel. Trop bien. J'ai dit que des conneries. Il est un petit peu bavard. Mais... il aime bien parler. Hein. Non, ça va. Non, c'est cool. Après, ça demande, c'est vrai que ça demande de se lâcher un peu et tout. Ouais. Non, il n'a pas eu de soucis à se mettre dedans. Et après, on n'est pas à la télé. Hein. Non, mais c'est pour ça que.
Eh bien, bonsoir, on est de retour pour le freestyle individuel et avec un petit peu de retard, bravo. Je ne dénoncerai personne, mais on est là. Il y a la toute première qui est passée, l'allemande Amalie Zengel, qui vient de passer en junior. Merci Simon, hein. T'inquiète, on était en live. et donc de Munich. Et on va tout de suite enchaîner avec la seconde, Adèle Le Priol des Castrillons. On aura ce soir 7 euros. Je serai impartial. J'ai le t-shirt. Alors, dis-nous tout maintenant. Non, les infos d'insider. En vrai, je ne suis pas au Castrillon, mais ah, je les connais bien. Bah oui. Et je ne la connais pas plus que ça, mais elle a bien travaillé son numéro. Donc, ok, et ça bien, devrait super. Être bien. On va voir ça. On enchaînera derrière avec Louise Lemaire de UniOne, donc à Montrond-les-Bains, puis Floriane Méric de Montpellier. Éléonore Coquille, qui est nouvelle. Ouais, une petite nouvelle, exactement. C'était à Bron chez les Braise en Bas, qui maintenant est en Suisse. Elisa Dubois, Monospice, donc Fougère. On les a vus. On les a vus tout à l'heure, exactement. Et puis, on terminera avec le seul homme de cette compétition. Quelqu'un qu'on n'est pas forcément habitué à voir en freestyle, non. Puisqu'il s'agit de. Eddie Ducol. Ouais. Il m'a dit qu'il avait minutieusement préparé son numéro. Il m'a dit ça aussi. Donc il avait à peu près 20 secondes de presse sur les 4 minutes. Il a l'air bien, mais il a un costume et il a une musique, je crois. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, on va découvrir tout ça ensemble. Parfait. Et en commençant donc par Adèle des Castrillons. Castrillons, club suisse de Genève. Tout à fait. Elle est que suisse. Elle est française. Je crois qu'elle est française. Parce que elle est... si elle a droit à une médaille ou pas. Et il me semble qu'elle a droit à la médaille. Je crois qu'elle habite en France, elle est française, mais elle passe la frontière pour s'entraîner chez les Castrillons. Très bien. Une frontalière du monocycle. Je crois que c'est ça. On vérifiera, mais ça. Super. Ben, on va découvrir ça ensemble pour ce freestyle individuel de la Coupe de France de monocycle 2023. Et je suis avec Lignon. Et ouais. Rebonjour. Salut. Et d'autres gens qui font coucou. Du coup, on peut peut-être les montrer, tous ces gens qui font coucou. Oh là là. Et qui mangent. Du coup, on va se remettre en place pour le prochain freestyle. Hop. Donc, vous allez tout de suite voir Adèle Le Priol des Castrillons. Elle se met en place avec son doudou. Doudou pingouin. D'accord. Tu l'as jamais vu du coup sur son numéro ? J'ai pas vu le numéro. J'ai eu, on m'a un petit peu teasé, mais je l'ai pas vu. Eh bien, super. Adèle Le Priol, des Castrillons, pour vous ce soir. C'est pas très grave, j'espère que ça va pas la stresser. Oh ben elle en joue, super. Je crois qu'il n'y a pas que la peluche qui est pingouin. C'est possible. Pingouin ou manchot ? Est-ce qu'il faut qu'on se débat ? Thank you.
comprendre qu'elle avait monté à peu près son numéro seule, mais qu'elle avait quand même en regard extérieur un petit peu Thomas, Tercy, ouais, et Mélissa aussi. Okay. J'ai pas le nom de famille de Mélissa. Ouais, je vois tout à fait qui est Mélissa, je n'ai pas son nom de famille. Elle a fait un duo remarqué aux Unicorns avec Thierry. En ne faisant pas de monastique pendant tout le duo, effectivement. Oui, tout à fait. Très bien, donc deux regards extérieurs tout à fait expérimentés, n'est-ce pas? C'est super. Donc effectivement, une petite mise en scène assez mignonne, assez chouette qui nous met dedans. L'avantage du maquillage, c'est que ça masque un petit peu les éventuels vous voyez, là, le petit pingouin était plus ou moins là. Le regard passait quand même. Tout à fait. Hein, très bien. C'était chouette. Super, on va enchaîner. On va enchaîner avec Louise Lemaire, qui sera la dernière junior. Elle vient de Unouane à Moron-les-Bains, dans la Loire. Les juges, on entend encore un petit peu les juges. Donc on a un petit peu changé de setup caméra depuis tout à l'heure, parce qu'on a une caméra sur stabilisateur maintenant, une caméra mobile. Et on a changé de cadre aussi parce que ce n'est plus Marie-Marie. Très bien, Freestyler, il a arrêté, dommage. Il a arrêté de rouler tout comme pas que Freestyler. Très bon, très bon rider. Toute discipline. Ouais. Très bon mini aussi. Bon, il est complètement arrêté de rouler du jour au lendemain. Son grand frère David qui est bon aussi, qui est bon encore. Les juges sont prêts. C'est donc parti pour Louise Lemaire d'Uniwan. Je la connais pas. Ok, sans potin, qu'est-ce que tu as pu penser de son freestyle? Non, alors ben, techniquement, on a du un pied, on a du wall, on a un peu il y a une histoire un peu de déséquilibre sur des avant-arrière. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une recherche là-dessus. Tout à fait, ouais. Et, j'ai bien aimé le. J'aime toujours la recherche d'originalité. Et j'ai bien aimé le premier truc où elle est sur le dos avec son monocycle tenu par la selle, par les pieds, où elle le fait tourner. Ça, je trouve ça assez original. Je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu ça. Enfin, je dis ça en même temps, j'ai tellement de compétition de freestyle maintenant. Mais. L'introduction, c'était des manips de monocycle. Ouais, un peu différente, assez sympa, ouais. Assez chouette. On va maintenant arriver aux seniors féminines. En commençant par Floriane Méric qui vient de Montpellier.
donc le club de Montpellier Monocycle, une habituée des séances de freestyle en CFM. Je pense qu'elle, elle est prête. Je ne suis pas sûr que les juges soient prêts, cependant. Une fois de plus, c'est la position où on attend les juges. C'était le cas de Troubi tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Qui peut être, à mon avis, une situation un peu stressante si on n'est pas aguerri à l'exercice. Oui, carrément. C'est faut vraiment, surtout seul. Alors, le Troubi tout à l'heure avait l'air de le prendre à la rigolade, c'est bien. Mais effectivement, en plus, c'est pas un problème. Hein. Mais c'est des moments où il faut savoir gérer. C'est vraiment juste avant la compétition. Où il y a cette espèce de respect du public. Ok, on a entendu, les juges sont prêts. Place donc à Floriane Méric pour Montpellier Monocycle. Féminine dans cette Coupe de France, que nous recevons 2023. Une très belle recherche artistique. Ouais. Ouais. Très belles images. Mmh. Pas peur de prendre du temps sur des arrêts, sur des images. Ça, c'est chouette. Ça rend bien. Carrément. On voit qu'il y a un travail de mise en scène, mais je crois que c'est toujours la même pour les peintres. Ah, c'est possible, ouais, tout à fait. Et sur le thème du monstre à Paris, je ne sais pas si tu as vu le film. Ah non, c'est ça, ouais. C'est M, hein, qui chante le football. Oui, c'est ça, c'est M qui chante le monstre à Paris. Et je l'ai vu assez récemment, c'est un film d'animation où le monstre devient en fait un monstre qui est rejeté de tous parce qu'il est monstrueux et en fait devient aimé et acclamé pour sa voix, comme on peut imaginer. Et elle joue vraiment le rôle du monstre un petit peu, elle a un petit peu cette attitude et cette attitude et ces images du monstre dans le monstre à Paris, c'est très joli. Ok, ça. Qui se cache comme ça au début. Ouais, bah parce qu'il a honte de son apparence en fait. Donc, du coup, peut-être la fin est carrément écrite. Il m'a semblé que pendant les applaudissements, par contre, le sourire est apparu. Mmh. Et qui est peut-être volontaire par rapport à ce que tu fais du film. Peut-être, tout à fait.
tout à fait. En tout cas, belle réussite pour Florian. On va enchaîner avec Éléonore Coquine, une petite nouvelle, on en parlait. Exactement, donc chez les seniors, qui est maintenant est en Suisse, donc du côté de Bâle, chez le club de Hammersheim. En Suisse allemande. En Suisse allemande, tout à fait. Bon, il faut dire que sa mère est allemande, donc elle parle parfaitement allemand. Exactement, donc Éléonore qui par ailleurs a organisé cette compétition de freestyle et qui va nous présenter son petit freestyle à elle. Parfait. J'ai vu qu'il y avait un costume. J'ai vu qu'il y avait un petit costume aussi tout à l'heure. J'en dirais pas plus. Voilà, on a hâte de voir ça tout à l'heure. En tout cas, vraiment cette compétition senior qui démarre sur le chapeau. Ouais. Super. Donc on va avoir trois seniors féminines. Hein. Donc, Florian était la première, Éléonore ensuite, et puis Elisa Dubois qui enchaînera pour Monospice, donc Fougère. Ouais. Et ensuite, on verra notre seul homme de la soirée, Eddie Nicole. Eddie Nicole. Voilà. Donc un streeto. Hein. Ouais, ouais, sa spécialité, c'est le street. Et le trial, non aussi. Oui, il est très très bon en trial. Sa spécialité, c'est le street. Ouais. Il est très bon en trial. Je pense qu'il est bon en freestyle. J'ai jamais vu, mais je pense qu'il est... En fait, il est bon techniquement sur un monospice. Donc il pourrait être très bon en muni, il pourrait être très bon dans plein de choses. Mais en parlant avec les copains, assez d'accord pour dire que chez les flatteux, les streeteux, c'était peut-être Eddie qui était le plus enclin à proposer, à avoir une vraie proposition artistique. Ah, Eddie a une fibre artistique. Voilà, tout à fait. Eddie, d'ailleurs, si vous êtes curieux, il fait des raps. Ouais, il fait des raps. Il publie des raps et tu sens qu'il y a vraiment une fibre artistique, et même dans son travail, il est designer. Ouais. Et il a vraiment une fibre créative, tout à fait, Eddie. Et donc, c'est vrai qu'on se disait que tiens, il peut nous montrer sûrement des très belles choses. Carrément, carrément. Il édite aussi il a édité des vidéos pour YouTube de Clément et tout ça. Effectivement, il fait beaucoup de vidéos YouTube. C'est vraiment quelqu'un qui s'est investi depuis peu depuis quelques années maintenant dans la. Oh, c'est parti.
un club de hockey d'ailleurs essentiellement. Waouh. Et le Nord qui nous a emmenés dans, dans sa petite histoire. Donc du papillon qui sort de son cocon. C'est un papillon. Ouais, moi je me suis dit que c'était un papillon. J'ai ouais. un peu chambré en disant que c'était un écureuil volant. Ou... Après aussi un papillon. Oui, moi j'ai vu le papillon, je ne connaissais pas l'histoire et donc j'ai vu le papillon. Et effectivement, je trouve ça très chouette. Je trouve qu'elle a bien progressé depuis quelques années, Éléonore, à la fois artistiquement, en présence, et puis techniquement aussi avec son passage dans la Danish Freestyle Team. Quelques années, ouais. Elle a fait un an, je crois, là-bas. Elle c'est ça. Études, elle était un an au Danemark et elle avait intégré la Danish Freestyle Team, les entraînements de la Danish Freestyle Team et donc la Danish Freestyle Team B pour le spectacle en Corée en 2018. Et je pense que ça lui a beaucoup profité techniquement. Forcément. Mmh. Bah, on voit qu'il y a plus de technique, elle a plus de propositions techniques que ce qu'on a vu chez les autres. Hein, oui, pour l'instant, tout à fait. Et une proposition artistique tout à fait cohérente, ouais. À appuyer. Bon, c'est un beau freestyle, qui une bonne candidate pour le titre de championne de France potentiellement. Il nous reste une candidate pour ce titre. Il s'agit d'Elisa Dubois, donc qui vient des Monospies, donc on a vu tout à l'heure à Troyes. C'est donc le club de Fougères, exactement. Club du cirque maintenant. Donc c'est une école de cirque qui avait une section monocycle, qui n'a plus de section monocycle spécifique, mais qui a toujours des pratiquantes. Voilà. Alors, je ne sais pas si les juges sont prêts. Pas encore. Elisa Dubois. Monospine. Les juges sont prêts. On va donc partir. Et c'est parti. Just the devil is asking for what, my love.
boîte de fougères. La marque de fabrique. La corde à sauter. Et la courbatine aussi, avec ses pommes de terre, là, sur la fin. La robe blanche. C'est vrai, une marque de fabrique, du coup, des ficelles de Monospice. Elle est bien dans son... Donc une musique un petit peu jazzy, vieux jazz, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment décrire. Quelque chose qui... dans lequel elle rentre bien, dans son petit personnage un petit peu... qui essaie de prendre un petit peu cette ambiance, cette atmosphère jazz, etc. Ouais, et le... Enfin, à mon sens, qui tient le numéro, c'est ça. C'est elle, ouais. Tout ce qu'elle fait est en rapport avec la musique. Elle va chanter, faire des jazz de main, des petits sauts. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Techniquement, elle n'a pas le même niveau, pas le même bagage que les autres, effectivement. Mais elle joue avec ça. Ouais, c'est ça. C'est son atout, effectivement, là, dans ce numéro de freestyle. C'était la dernière seigneur féminine. Donc, petit plateau aujourd'hui. Ouais, il nous reste plateau. Un concurrent. Un je vois là-bas. Avec son costume, ouais, effectivement. À côté de son échafaud. Non, ça va bien. Même. Il l'a monté exprès. Voilà. Donc. Si Loïc peut nous montrer l'échafaudage et le concurrent Eddie Ducol qui s'échauffe, bien sûr, on le voit, dans son bleu de travail. En tout cas, il est clairement déjà dans le personnage. Moi, j'ai autre chose à foutre, visiblement. Voilà, c'est le dernier concurrent. Son monocycle est déjà en place au centre de la salle. Eddie Ducol, qui est à l'origine de Monovalence, il vient aux alentours de Valence. Monovalence, un club éphémère qui avait deux têtes d'affiche, on va dire. Un certain Eddie Ducol et un certain Martin Charrier. Ah oui, oui. Okay. Donc, voilà. Bonne tête d'affiche. Et les voilà. Les voilà aujourd'hui dans des disciplines très différentes, tous les deux. Mais tous les deux des personnes remarquables dans le monde du monocycle français. Et tous les deux sur des podiums, puisque Martin était sur le podium tout à l'heure. Et bon. Et dit, il y a des chances qu'il soit au podium, parce que c'est le seul homme globalement. A priori, il sera premier. Voilà, il sera peut-être pas fier de sa première place, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des chances qu'il la gagne. Ouais, on lui demandera. Hop, les juges sont en train de terminer le jugement pour les seigneurs féminines. Avant donc de passer à Eddie. Et on est très curieux, parce qu'on ne l'a jamais. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai jamais vu. Je crois que je l'ai vu une fois en freestyle. Il avait fait un truc où il était en cuissard cycliste avec bretelles. Okay. Un truc un peu caricatural, cycliste. C'est assez marrant. C'est marrant. Je sais pas si lui-même s'en souvient, mais moi, je m'en souviens, en tout cas. Ça fait partie de ces gens qui viennent du monde de l'urbain, qui passent par le freestyle. Je pense à Adrien Delecroix qui a fait un freestyle pair. Ouais, il a fait le freestyle pair avec Bédia, sa compagne, et aussi avec Thomas Tiercy, étonnamment. Avec Corentin Verset aussi. Avec Corentin Verset, c'est bien possible, ouais, effectivement. Des gens... Thiago Maran, je crois, avait fait un duo aussi avec CSM. Bien possible. Ouais, c'est bien possible. En tout cas, le monde urbain et le monde du flat sont... perméable comme ça. Et je me souviens également un championnat du monde, un Unicon, il y avait eu un groupe qui s'appelait No Freestyle in Flat, dont le message subliminal c'était on veut pas des gens qui viennent faire du freestyle dans les battles de flat. Ouais. Et qui avait fait une espèce de caricature de freestyle à un groupe, mais il y avait du niveau malgré tout. Ouais, et ils se prenaient pas au sérieux, c'était vraiment assez drôle à voir. Et la légende veut qu'il y avait un juge qui avait. Qui n'avait pas voulu les juger. Non, je crois qu'il avait marqué une insulte sur le résultat. D'accord. Le groupe, moi qui suis tout à fait amateur de freestyle, j'avais trouvé ça vraiment c'était drôle. Et il y avait quand même de la technique. Hein. Ouais, ouais, carrément, c'était pas du tout ridicule. Non, non. Ils avaient été classés, je pense. Ouais, je ne sais pas trop comment, mais peut-être pas mal. No Freestyle in Flat, un grand souvenir, je pense, pour un certain nombre de flatteux. Ça avait été monté sur place. Ouais. Au championnat du monde, un peu dans un délire en fait, soudain de la part. Ils étaient nombreux, hein. Ouais, carrément, ils étaient une vingtaine. Les juges sont prêts. On va donc pouvoir passer au freestyle de Eddie, surtout si notre cadreur arrête de manger les frites. On s'est balancé. Hop là, il court, c'est bon, il saisit sa caméra, on est bon. Ça va être parti pour monsieur Eddie Ducol. Ha ha ha!
rigole jusqu'au bout à fond dans son personnage. Eh ben, il m'a dit encore, on m'a dit discrètement que c'était pas beaucoup préparé. Et ben pour un truc pas beaucoup préparé, il avait quand même bien sa musique en tête, ouais, bien ses temps en tête, et du coup il a bien exploité ça. C'est ça. Et ouais. C'est vrai que je sais pas s'il a pas improvisé des fois avec le. Oui, oui, avec sûrement. Hein, donc. Il a clairement improvisé, oui. Ouais. Mais malgré tout, c'est une proposition qui est géniale parce qu'elle est super assumée, elle est fun. On voit vachement l'influence du street flatteux là-dedans. Les figures viennent de là, hein, les flips et les rêves, les season spins. Avec le costing qui est un peu à cheval sur les deux disciplines. Et le spin à la fin, mine de rien, qui est quand même une figure qui est quand même plutôt 100% freestyle. Là, pour le coup, le crank idol aussi qui est plutôt freestyle. Effectivement, ouais. Mais de toute façon, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est des univers un peu perméables. Et on voit de plus en plus de figures de freestyle en flat et inversement. Et à mon sens, c'est tant mieux. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Après, chacun son avis. Et pourquoi les figures seraient-elles réservées à l'un ou à l'autre? Non, c'était vraiment une proposition rigolote, intéressante. Alors ça, je me suis bien marré. Très bien. Il a bien assumé son délire. C'était très joli. Et ben voilà qui conclut du coup cette soirée de freestyle ici à la Coupe de France de Monocycle 2023 à Iggisheim. J'espère que vous avez kiffé cette magnifique figure en plein dans la caméra par Amaï Zengi, si je dis pas de bêtises. C'est la freestyleuse que vous avez ratée, désolé, à cause de notre prise d'antenne un petit peu tardive. Du coup, elle a voulu se rattraper, je suppose. Comme ça, ils l'ont eu. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette soirée. On va s'arrêter là avec Lilian ce soir. Merci beaucoup d'avoir participé à ça, Lilian. C'était chouette. Impromptu. Bah ouais, impromptu, mais merci beaucoup. À bientôt. Super chouette. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et j'espère qu'on est à peu près dans le cadre. Il y a le cadreur qui vient voir. Genre, il est en train de bouffer des frites. On me voit nos pieds. Voilà, ouais. On a l'air d'être à peu près dans le cadre. Donc voilà, on va conclure là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé. Merci au public. Merci, Lilian. De rien. Et puis, ciao.